Bonjour, nous sommes l'équipe du projet Thousand Street. Bienvenue dans les coulisses du film. Thousand Street raconte l'histoire d'un policier en patrouille. Sa pause repas est soudainement interrompue par un événement auquel il va devoir faire face. Les ambitions de ce projet ont toujours été de faire un film sombre et futuriste, en hommage au film de science-fiction des années 80, tout en apportant une touche de modernité. Nous avons commencé par développer des concepts d'ambiance, de lumière et de situation. En a découlé l'univers, une immense mégalopole dans laquelle la verticalité et l'hostilité est exacerbée. Le tournage s'est intégralement déroulé en studio. D'une part, pour la flexibilité que pouvait nous apporter la CG par rapport à un environnement déjà existant, et d'autre part, pour éviter les contraintes d'un tournage de nuit en extérieur. Nous sommes entrés en contact avec Mathieu Montbazé, étudiant en école de comédie sur Paris. Venant du milieu du théâtre, Mathieu a très bien su s'adapter aux contraintes d'un tournage sur fond vert. Nous disposions d'une journée sur le planning pour le préparer à son rôle. L'action se déroulant sur un dock suspendu, il nous fallait un équivalent physique au tournage. Un moyen de surélever le plateau et d'avoir dans un premier temps le contact au sol raccord et dans un second temps, une flexibilité d'exécution sur n'importe quel cadrage. Nous avions également besoin de mettre en place des éclairages dynamiques pour avoir les bonnes influences de lumière sur l'acteur. Dans la voiture, nous avions des lumières commandées à distance, avec des filtres colorés. Couplé à un métronome, cela nous a permis de gérer le timing des activations et extinctions de lumière, ainsi que la colorimétrie liée au système d'alerte. La séquence de fin se passant intégralement sous la pluie, il nous a fallu trouver une solution au tournage. A cela, nous avons eu l'idée de truquer les plans directement in caméra, à l'ancienne en utilisant la technique du translighting. Nous avons tourné en extérieur, ce qui était extrêmement contraignant pour l'équipe au vu des conditions climatiques. Le temps entre chaque prise a été optimisé au maximum. Cadrage varié, nous avons créé le quartier en totalité. Nous nous sommes répartis les tâches de modélisation. La création du dock a demandé une mise en place complexe. La base ayant été modélisée sous Maya, nous avons ensuite resculpté et affiné de nombreuses parties sous cette broche après avoir placé les caméras dans l'environnement. Les textures ont été peintes sous Marie, dont l'ergonomie et certaines fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de peindre sur des modélisations très détaillées, nous a convaincus. Concernant la voiture de police, nous nous sommes inspirés de la robustesse et des codes couleurs des voitures de police américaines, ainsi que de certains véhicules d'œuvres de science-fiction. Nous avons fait plusieurs propositions 2D avant d'en choisir une et d'établir les proportions sous Maya. La modélisation a aussitôt débuté. En parallèle, nous avons réalisé des tests comparatifs entre différents moteurs de rendu afin de définir le plus adapté à notre film. Ensuite, le travail de shading a commencé. La voiture a été shadée en mélangeant plusieurs layers. Cela nous a permis un contrôle total sur le look d'air directement dans Maya. Le plus gros défi concernant le rendu du décor était le nombre conséquent d'assets, de matériaux et de lumière dans la scène. Nous avons dû optimiser au maximum tout en ayant des matériaux physiquement corrects. L'utilisation de proxy a été nécessaire pour alléger le rendu. Les hologrammes ont nécessité un travail de recherche, de test de workflow, afin d'aboutir à un résultat esthétique et didactique. Nous devions afficher un grand nombre d'éléments en respectant la courte durée des plans. Le défi était de rester lisible puisque la caméra faisait toujours face à l'acteur. D'autres hologrammes ont été réalisés directement dans Nuke et son système de particules 3D avec la collaboration d'Alexandre Marlier, étudiant freelance. Pour cela, nous avons utilisé deux techniques selon le degré d'animation des hologrammes et leur rendu. Certains ont été réalisés dans Maya, d'autres directement dans l'espace 3D de Nuke, en simplifiant aussi par l'utilisation de rendus sur card. L'explosion de la vitre a quant à elle été simulée avec le plugin DMM, après avoir récupéré l'animation du personnage faite par un étudiant freelance, Olivier Desmond. Le travail de compositing a débuté assez tôt dans la production. Au tournage, nous faisions des tests de keying et de match moving dans Synthize après chaque prise. Le compositing a été essentiel pour nous. Le challenge était d'incruster un personnage réel dans la CG. Nous devions être vigilants au contact au sol, aux ombres et aux lumières. Nous avons rehaussé l'éclairage, magnifié le lighting et créé des interactions lumineuses, notamment grâce aux passes de normal.
le brouillard a été généré dans Maya. Celui-ci pouvant être lourd à calculer, nous avons créé un gizmo d'ennuis qui nous permettait de générer des effets atmosphériques en utilisant la passe de ZF. Nous avons également mis au point des gizmos de finishing et de post-processing qui, entre autres, amélioraient le rendu des hologrammes. Ce projet était pour nous l'occasion de passer par toutes les étapes de production, allant de la pré-prod au finishing. Nous espérons que vous avez apprécié le film autant que nous à le réaliser. Thank you.